Nouvelle recette d'épices, de pain d'épices. Donc, voici le résultat. À ma droite, ce que j'ai fait, et à ma gauche, ceux du commerce. Donc, voilà. Franchement, c'est simple. Donc, c'est parti. On y va. 15 grammes d'écorce d'orange. Je vous dirai après comment faire. Une noix de muscade. Voilà. 4 à 5 clous de girofle. 6 à 7 capsules de cardamome, une cuillère à café ou à soupe d'anis, et 3 étoiles de badiane et 20 grammes de cannelle, bâton de cannelle. Donc là, c'est tout simple, on va tout mettre dans le robot et on va tout mixer, tout simplement. Voilà. Franchement, voilà, et puis voilà. Les écorces d'orange, c'est moi qui les ai fait, je les ai pas achetées. Donc maintenant, si vous voulez les faire, c'est simple, vous prenez un économe, vous prenez une orange, vous l'épluchez, vous prenez les écorces d'orange, et puis vous les coupez en tout petit, et vous les mettez à sécher soit sur une assiette ou quelque chose, et puis vous mettez sur le chauffage, ça va sécher. Soit au four, mais le four, il faudra le chauffer à 150 degrés, et puis vous chauffez pendant 5 minutes, et vous l'éteignez, et vous mettez les écorces d'orange pour qu'elles puissent sécher. Mais il faut quand même surveiller parce que ça peut cramer. Donc voilà, choisissez un petit peu la technique qui vous arrange. Donc là, j'ai mixé tous mes épices. Je vais de nouveau les remixer encore dans le truc parce que j'ai le machin là qui s'est cassé en fait. Donc il faut bien les mixer. Donc je vais le remixer encore dans le moulin à café. Et puis voilà quoi. Les épices, une fois que je les aurai mis en ligne, bien sûr, on va les essayer, hein. Et voilà, donc il y en a pour comment dire, 3 doses pour une recette de pain d'épices. Après, tout dépend de la quantité dont vous avez besoin. Donc voilà. Donc là, bah, je passe à la passoire pour enlever ici des gros morceaux. Donc là, c'est top. Et puis bah, après, bah, voilà, vous voyez un petit peu, ça a une belle couleur orangée, c'est grâce aux écorces d'orange. Voilà, grâce aux écorces d'orange, et puis c'est 7 épices au lieu de 4 épices, donc c'est une nouvelle recette qu'on testera prochainement. Donc là, je vous montre les épices du commerce, les 4 épices. Les miens ont déjà une belle couleur, tandis que ceux de gauche, c'est un petit peu plus triste. Donc voilà. Donc, si vous testez avant moi, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ben, on se retrouvera une prochaine fois pour la recette de pain d'épices avec mes épices. Avec mes épices, donc voilà les amis. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent. J'espère que cette recette va vous plaire et vous allez l'adopter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetzimladi. Partagez, likez, salam alaikum.